Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Shein qui normalement aurait dû être en partenariat, mais je n'ai pas reçu le colis du partenariat, mais j'avais fait une commande moi-même. Donc je vais vous présenter cette commande. Il y a beaucoup de promos en ce moment. Je vous mets tout ce qui est code promo ici. Tout sera en barre d'infos expliqué. Mais n'hésitez pas, il y a le Black Friday. Je crois qu'il y a le Cyber Monday aussi qui va arriver. Bref, Shein, si vous trouvez des pépites, n'hésitez pas. Je pense que c'est le moment. J'ai fait pas mal de petits achats. J'en ai eu pour, je crois, 135 euros, il me semble. Ça a mis 12 jours pile poil à arriver. Et je sais que le colis en partenariat va mettre également 12 jours à arriver parce que j'ai vu le suivi du colis. Et il va pas tarder, mais c'est pas grave. Ça vous fera une vidéo au mois de décembre de chez Shein. Bref, vous avez des hauts, des robes, des manteaux, enfin des vestes et une paire de chaussures. Donc, comme d'habitude, je vous présente tout ça. Je vous mets le prix, la taille que j'ai pris et la photo du site. Ensuite, je vous mettrai tout ça porté avec une voix off. Et on se retrouvera à la fin pour le débrief. Je voulais vous rappeler également que quand vous choisissez vos vêtements, prenez pas votre taille forcément habituelle, mais plutôt mesurez-vous. Pour chaque article, vous avez le tableau des tailles et fiez-vous à ce tableau des tailles. Vraiment, c'est très important parce que j'ai pris des choses en 3XL, mais j'en ai pris aussi en 4XL. Donc, suivez bien le tableau des tailles si vous ne voulez pas être déçu. Bref, c'est parti, on commence. Donc, on commence tout d'abord avec une paire de chaussures. La paire de chaussures ne va pas du tout vous étonner. C'est dans des petits pochons comme ceci et j'ai pris une paire d'escarpins. Dans la même collection que cet été, je vous avais présenté la paire de sandales, la paire également d'escarpins, mais ouvert avec un talon carré. J'adore, je trouve ça, je les trouve trop jolies. Je les mets très régulièrement. Je trouve qu'avec une tenue toute simple, ça ça fait la tenue, quoi. Et sincèrement, je la trouve tellement canon. Elle est vraiment trop belle. Là, je l'ai pris en taille 41 et je l'ai pris avec un tout petit talon. Elle existe avec un énorme talon également. Mais moi, j'ai de plus en plus de mal à marcher avec des grands talons. Donc, voilà la paire. J'espère qu'elle me va. Je la trouve tellement belle en bout pointu comme ça, assez long bout pointu. Moi, je suis fan de ces paires de chaussures. Et en fait, les deux sont pas du tout pareils. Je sais pas si vous voyez, mais le tissu, c'est vraiment aléatoire, quoi, en fait. Mais je les trouve canonissimes. J'ai hâte de pouvoir les porter. Ensuite, on va passer maintenant aux vêtements. J'ai craqué sur ça. En ce moment, je craque pas mal sur tout ce qui est vert, mais j'aime beaucoup sur une tenue toute noire. Je trouve que ça fait canon. C'est tout simplement un gilet. Vous le voyez beaucoup plus clair qu'il ne l'est. Il est plus vert sapin. Foncé que comme ça. Donc c'est un petit gilet qui reste à peu près ouvert, des manches trois quarts un peu chauve-souris et qui se ferme à l'aide d'un petit nœud au niveau du ventre. J'espère que sincèrement qu'il va m'aller parce que je le trouvais canon. J'aime trop. Si vous voulez savoir, la matière, déjà je l'ai pris en 3XL et la matière c'est du 100% acrylique. Je le trouve trop mignon et ce genre de petit gilet, il y en a plein sur le site, de différentes formes, de différentes couleurs. Et pour le prix, plus un code promo, que dire de mieux. Ensuite, je me suis pris un petit haut. Le reste est tombé par terre. Je me suis pris un petit haut. Vous savez que j'aime beaucoup les bodys, mais on va arrêter avec les bodys. Du coup, je me suis pris ce genre de petit haut, un petit peu, vous savez, resserré au niveau de la poitrine. Hop, avec des manches longues. Il est assez long, donc ça, c'est cool. Vous pouvez très bien le mettre au-dessus du pantalon comme à l'intérieur du pantalon. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup. C'est une matière qui est assez chaude. Il n'est pas du tout, je trouve, transparent. Là, vous avez l'impression. Mais une fois porté, il n'est pas du tout transparent. Je ne l'ai pas encore porté. Je l'ai juste essayé. Mais je le trouve trop sympa. Pareil, ce genre de petit haut basique, vous en avez des tonnes. Et vous allez voir que ce n'est pas le seul que j'ai pris. Ensuite, une fois avoir tout ramassé par terre, je me suis pris une petite blouse, mais je ne suis pas trop sûre de la blouse. Hein. J'avais déjà pris ce genre de robe sur Shein, exactement le même tissu. Je les ai revendus sur Vinted. D'ailleurs, je vous remets mon Vinted juste ici si vous intéresse. J'ai pris tout simplement une petite blouse comme ça, un peu cache-cœur. Alors, il n'y a pas, si je ne me trompe pas, il n'y a pas de petit bouton pour fermer. Je ne l'ai pas du tout essayé celle-ci.
Vous avez des manches un petit peu bouffantes au niveau des épaules, donc je me dis que ça peut faire très très joli aussi avec un petit jean. Et c'est un peu, vous savez, façon, à chaque fois, vous me le dites en commentaire, à chaque fois je ne sais plus. Bref, vous voyez un peu ce que je veux dire. Je trouve très très sympa, mais maintenant, c'est à essayer en fait. Parce que, je sais pas, soit c'est trop rouge ou je sais pas. J'ai un problème avec ce genre de tissu, mais je le trouve tellement canon. Je me suis dit qu'on allait essayer en haut au lieu de robe. Ce sont des manches longues. Moi, je le trouve assez sympa. Il est un peu resserré au niveau de la taille, vous voyez, avec un petit élastique. Donc, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, je me suis pris une petite veste. Donc, avec la veste, vous avez la ceinture qui va avec. Et c'est une petite veste un peu spéciale puisque c'est une veste sans manches. Donc ça, pareil, avec un jean, un petit haut noir, je pense que ça peut faire très très sympa. Hop, comme ceci, elle est assez longue. Maintenant, c'est de la qualité chine, hein, on ne va pas se mentir. Je trouve qu'elle n'est pas très bien finie, vous voyez, c'est découpé, mais il n'y a pas du tout de couture ou quoi que ce soit. À tester, à tenter. De toute façon, je pense que je vais la garder parce que je l'ai essayée comme ça. J'ai l'impression qu'elle m'allait plutôt bien. C'est une mi-longue, c'est pas une longue. Elle m'arrive en dessous des fesses quand même. Et je trouvais que le col comme ça, vous savez, un peu qui revient, je trouvais assez joli. Pareil, il en existe plein de sortes de ce genre de petites vestes avec plein de couleurs, plein de coupes, etc. Donc, c'est plutôt sympa. Je l'ai pris pareil en 3XL. Et c'était pas franchement très très cher. Et je sais pas si vous savez, mais moi je déteste porter des manteaux l'hiver. Je me sens engoncée à l'intérieur, etc. Je préfère porter ce genre de petites vestes assez légères ou des gilets assez chauds, etc. Avec des écharpes, des foulards ou quoi. Mais je ne porte jamais de manteau. J'ai l'impression d'être complètement engoncée. Des doudounes, c'est même pas la peine de vous en parler. Donc ce genre de veste peut faire l'affaire pour cet hiver. Ensuite, j'ai pris une robe et je vais vous dire la vérité, je suis un peu déçue. Quand je l'ai vue comme ça sur le site, je vous mettrai la photo juste ici, j'avais l'impression que c'était un coton assez épais et pas du tout. Je la trouve canon la robe, elle est vraiment trop belle. Pareil, un peu vert sapin, des manches longues que vous pouvez fermer avec un petit bouton, des froufrous comme ça devant avec une ceinture noire, je pense que ça peut faire canon, et des bottines noires. J'ai hâte de recevoir ma commande Chine en partenariat. J'ai acheté des petites bottines, on va dire, qui sont trop belles. J'espère qu'elles m'iront parce qu'avec ça, ça peut faire trop joli. Et elle est assez longue. Elle arrive, je crois, en dessous du genou, c'est sûr. Mi-mollet, il me semble, mais avec des bottines. Je pense que ça peut faire joli. L'arrière est tout simple. Vous avez une petite fermeture avec un petit bouton. C'est de très bonne qualité. Il n'y a pas de fil qui dépasse. Le bouton, c'est sympa, il est de la même couleur que la robe. Je l'ai pris en 4XL, j'ai bien fait, il me semble. Je l'ai testé vite fait, je l'ai testé très vite fait. J'ai hop mis comme ça, mais je ne me suis pas vraiment regardée. Mais le tissu me dérange. C'est un tissu, vous savez, blouse en fait. Moi, je croyais que ça allait être un coton assez épais avec un joli tombé, etc. On verra bien, mais je suis un peu déçue. Vous me direz en commentaire, sinon bah, ça sera retour à l'envoyeur également. Ensuite, je me suis pris une petite blouse. Vous allez reconnaître cette blouse parce que j'avais pris exactement la même à Clara lors de notre partenariat Shein pour Clara et Charline. Je vous la mettrai juste dans le petit si ça vous intéresse, si vous avez des enfants ou alors une petite taille, parce que j'avais également pris pour Charline qui faisait du 10 ans et du Clara qui faisait du 34-36. Et du coup, je me suis trouvée exactement la même en grande taille et je la trouve vraiment très sympa avec un petit pantalon noir, avec un jean, ça peut faire très sympa. Le tissu est très joli également. Les manches sont longues, elles sont resserrées comme ceci au niveau des poignets. Donc ça, c'est bien parce que vous pouvez les remonter et ça tiendra au niveau de l'avant-bras. C'est une coupe droite avec un joli décolleté. Mais vous savez, un décolleté V, pas du tout un décolleté façon cache-cœur. Donc, on ne va pas voir la moitié de mes seins, j'ai envie de vous dire. Elle me paraît comme ça assez longue, donc à tester également. Ensuite, ça, c'est sûr que je vais le renvoyer. Je le trouve pas du tout bien fini. Je le trouve pas du tout de bonne qualité. C'est un petit pull noir. Je voulais un pull noir assez long, basique pour tous les jours, etc.
mais je le trouve pas du tout bien fini. Je pense que c'est la coupe hein, qui est comme ça, vous voyez. Les manches, c'est comme ceci. Le col, c'est pareil, je le trouve pas canonissime non plus. J'aime pas trop. Je vais l'essayer, je ne l'ai pas du tout essayé, mais je suis sûre que c'est le genre de pull, vous l'avez deux fois et vous avez plein de fils qui dépassent, etc. Donc non, il n'est pas fait pour moi, je pense que celui-ci, je vais le renvoyer. Mais on va quand même l'essayer parce qu'il peut très très bien vous plaire à vous. Ensuite, autre déception que je vais renvoyer. J'ai voulu me prendre une veste un peu façon pancho, mais non. Le tissu est laid. Le tissu, c'est le tissu, vous savez, un peu très léger, enfin qui fait pas du tout quali. C'est dommage, sur la photo de la, du site, il était très très sympa. Pareil, je croyais que c'était un coton assez épais, vous savez, en matière manteau un peu. Mais pas du tout, il est hyper léger. Ça, c'est une matière que vous transpirez complètement à l'intérieur. Je trouve pas du tout joli. Non, j'aime pas du tout. Et ça, je l'avais pris en 3XL. Maintenant, à essayer. Mais ce qui est dommage, c'est que la photo du site, enfin, sur le mannequin, c'était canon, je trouvais. Mais une fois reçu, c'est pas fait pour moi. Ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pris exactement le même haut en noir qu'en kaki. J'aime bien. Je trouve que le kaki, ça change un peu. Ça va très bien, pareil, avec un petit pantalon noir ou un jean et les petites chaussures colorées. Je pense que ça peut faire canon ou des petites bottines, etc. Donc, à tester. Mais c'est haut, je suis plutôt contente. Ensuite, une autre robe que j'ai portée déjà avec une ceinture et des bottines. Je la trouve trop, trop belle. C'est, vous la voyez, un peu orange, mais elle est plutôt très camel. Camel tirant, d'accord, sur le orangé, mais elle n'est pas orange comme vous la voyez, là. Non. Elle est très, très décolletée. Donc, moi, quand je mets un petit débardeur en dessous, sinon c'est une catastrophe. Elle est resserrée au niveau de la taille et elle arrive au niveau, juste au niveau des genoux ou au-dessus des genoux, il me semble. Elle est hyper confortable. Au niveau des manches, ici, c'est resserré au niveau des poignets. Bon, elle est très, très décolletée, mais avec un petit débardeur noir en dessous, ça fait largement l'affaire. Ou alors, à vous de faire un petit point. Mais moi, à chaque fois que je fais un point, ça ne fonctionne pas. Hein. Vous savez, mes talents de couturière, c'est pas vraiment ça. Mais je la trouve trop jolie. Ouais, vraiment, je la trouve canon. C'est une matière un peu légère, mais qui tient plutôt chaud. Et comme elle est assez ample, je trouve, je transpire pas. Ou vous savez, ce genre de matière, ça peut faire transpirer. Mais alors, pas du tout pour une fois. Sincèrement, j'aurais cru. Et dernier haut, c'est une petite blouse, pareil, noire, assez simple, je ne sais pas trop quoi en penser. Elle est très jolie, hein, elle est très simple, resserrée au niveau des poignets également. Pareil, c'est basque, je crois que c'est un haut basque, je crois que c'est ça que vous appelez. Assez décolleté également, mais c'est un col V, donc je pense que ça peut le faire, on ne voit pas la moitié de votre poitrine. Elle est un peu transparente en regardant comme ça, donc on va tester en essayant. Mais je la trouvais plutôt jolie et assez basique. Et je trouve qu'il me manque beaucoup, beaucoup de basiques à la maison. J'ai acheté énormément de body et j'en peux plus des body, ça y est. J'ai fait une overdose. Bref, on teste tout ça et puis j'en viens juste après vous dire mon ressenti. Donc on commence avec la petite tunique noire, j'aurais pas misé vraiment dessus, je la trouvais très simple et en fait j'aime beaucoup ce côté basque, il est assez long, le décolleté vous allez voir, j'aime beaucoup ce petit décolleté. Les manches c'est pareil, comme elles sont serrées au niveau du poignet, si vous les remontez elles tiennent très très bien au niveau de l'avant-bras. Bref, ça je garde et c'est un très bon basique à avoir que je n'avais pas. On passe à la première déception, ce pull, je vous disais, je trouve qu'il est vraiment pas de bonne qualité par rapport que ce soit aux coutures du ventre, du col ou des poignets. Je pense que si je le lave une fois ou deux, j'aurai quelques fils qui vont dépasser. En plus, je trouve un poil court, donc non, il n'est pas fait pour moi. Maintenant, c'est vraiment dommage parce qu'il était vraiment très très joli, simple, mais plutôt sympa avec ce petit col V. Mais vous voyez déjà, il y a déjà des fils qui dépassent, donc non, il n'est pas fait pour moi non plus.
Ensuite, la petite tunique que j'avais achetée exactement pareil pour clarinette, moi j'aime beaucoup. Maintenant, c'est pile poil ma taille, il aurait pas fallu une taille en dessous, mais en plus ça va pas du tout avec ce jean. J'ai mis ce jean pour vous faire les essayages, mais ça va pas du tout avec ça. Avec un pantalon ou un jean noir, ça sera très très bien. Je trouve très très sympa, les manches sont très jolies, le petit décolleté V simple mais canon. Donc je suis plutôt contente d'avoir ça dans ma garde-robe dès maintenant. Ensuite, The Deception. Voilà, il est très joli, porté, il est très sympa. Mais moi, le tissu, c'est pas possible. Ce tissu-là, j'aime pas du tout. Pour vous dire vrai, je trouve que ça fait un tissu, mais de tellement mauvaise qualité. Je suis déçue, j'aurais tellement voulu un tissu style manteau qui tienne bien chaud, sans être engoncé comme dans un manteau. C'est vraiment dommage parce que sinon, il est très joli. Il est bien coupé, bien fini, etc. Mais le tissu, non, c'est pas du tout fait pour moi. Donc, c'est retour à l'envoyeur. Ensuite, cette petite tunique, j'adore le décolleté et les manches bouffantes. Je pense que je vais essayer de regarder un peu ce qu'ils font comme manches bouffantes pour les grandes tailles. Mais je le trouve canon. Le rouge, c'est pareil, c'est très très joli. Pareil, ça va pas, je trouve, avec ce jean-là. Mais avec un jean slim, je pense que ça fera beaucoup mieux. Là, c'est un jean mom que j'ai mis, donc forcément, ça fait pas pareil. Mais je le trouve tellement joli. Le tissu, déjà, j'avais craqué cet été sur des robes. Mais en tunique, il est encore plus canon. Ensuite, le premier basique kaki que j'aime beaucoup. Donc forcément, ce sont des hauts près du corps. Donc vous allez dire qu'on voit les formes. Moi, sincèrement, je m'en fous. Ce que je veux, c'est être à l'aise dans mes vêtements. Je suis à l'aise dans celui-ci. J'aime bien. Il est assez long. Il n'est pas trop court. Le col est super joli. Resserré comme ça au niveau du milieu de la poitrine, je trouve ça très, très sympa. Donc ouais, j'aime beaucoup. Et kaki, ça change un petit peu. J'avais pas cette couleur là dans ma garde-robe. Maintenant, je vous le montre en noir, rentré dans le pantalon. Pareil, ça fait très très sympa. En dehors ou dans le pantalon, j'aime beaucoup. Voici Ruby, notre petite star. Fallait qu'elle fasse sa petite apparition. C'est notre Bibi, on l'aime tellement, ce Bibi d'amour. Bref, on repasse aux vêtements. Ouais, j'aime beaucoup ce petit haut basique. Je ne suis pas du tout serrée au niveau des épaules ou quoi que ce soit. Je vais vous tester ce petit haut avec le gilet, vous savez, qu'on referme au niveau du ventre. Et bah pareil, j'aime bien. Ce que je trouve ça juste dommage, c'est que la ficelle, vous savez, pour faire le petit nœud au niveau du bas-ventre, n'est pas plus longue que ça. J'aurais cru qu'elle allait être un peu plus longue, mais ça fait plutôt sympa. Pareil, ça va pas avec ce jean. Mais on va pas parler du jean, on va pas parler de la tenue. On va parler de comment c'est porté. Eh bien, écoutez, moi, j'aime beaucoup. Je vais vous le montrer avec le t-shirt hors pantalon pour vous faire voir un peu l'effet que ça peut donner également. Et bah écoutez, moi, j'aime bien. Donc, ça va rester dans mon armoire également. Vous voyez, le haut, quand même, il est assez long. Il cache bien le ventre. Et au niveau des fesses, c'est pareil. Il est plutôt pas mal du tout. Et le gilet, je le trouve tellement joli. On passe à la petite veste sans manches que je... donnez pas trop vraiment, hein. Mais en fait j'aime plutôt bien. Bon, c'est pas de la super bonne qualité, je vous dis, ça manque un peu de couture en fait au niveau des manches, tout ça. Mais le col comme ça, je le trouve très très bien. Fermé comme ça, pareil, j'aime beaucoup. Je vais vous montrer un petit peu plus ouvert, on va dire, mais toujours fermé avec la ceinture. Vous pouvez très bien le porter sans la ceinture, mais moi je trouve ça plus sympa ceinturé. Maintenant, vous voyez, je le laisse un peu plus ouvert tout en le fermant quand même. Et bah écoutez, moi j'aime beaucoup, ça fait une petite veste, ça fait un surplus sur la peau dans cette période un peu plus fraîche que cet été quand même. On passe aux chaussures, donc vraiment, prenez une taille au-dessus de la vôtre. Moi, je fais du 40-40,5. J'ai pris 41 et fallait pas moins. En plus, là, sincèrement, je l'ai mis sans chaussettes. Je pense qu'avec des chaussettes, je serais bien plus à l'aise dedans. Le talon, il est parfait, pas trop haut. Et le bout pointu, moi, je trouve ça tellement féminin. Donc ça, j'adhère complètement pour que ça rentre dans ma panoplie de chaussures.
la petite robe que je donnais pas trop quand j'ai ouvert le colis, et en fait j'aime tellement, avec une ceinture noire. Celle-ci vient pas du tout de chez Shein, ça fait des années que je l'ai, et un petit débardeur parce que sinon vraiment on voit toute votre poitrine sans vous baisser, mais alors en vous baissant c'est encore plus catastrophique. La longueur elle est top, au niveau des manches etc, vous êtes pas du tout serré. Bref, j'aime beaucoup cette petite tenue avec une petite paire de bottines noires ou même des bottes noires, ça peut faire très 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 canon. Et donc on termine sur la robe parce que je veux absolument votre avis. J'aime beaucoup et en même temps je sais pas. Maintenant ça manque d'un collant, mais en ce moment on peut pas acheter de collant. Bref, je la trouve très très jolie. C'est très rare que j'achète ce genre de robe, surtout niveau longueur. Mais avec la paire de bottines, la petite ceinture qui n'est pas à moi mais à Mathias, je trouve que ça fait très sympa. En plus c'est vrai que je suis pas habituée à ce genre de col. Moi je suis plus habituée avec des cols V. Mais je sais pas, j'aime bien et en même temps je sais pas en fait. Donc je vous attends en commentaire pour avoir votre avis. Après autant d'essayage, j'ai hyper chaud. Je suis restée avec la petite robe. Je vous l'ai mis en dernier parce que je veux vraiment votre avis sur cette robe. J'aime bien et en même temps, j'aime pas. Je ne sais pas du tout quoi en penser. Bon, bien sûr, là, je ne suis pas vraiment coiffée. Je suis maquillée vraiment vite fait. Mais je pense qu'avec une jolie coiffure, un beau make-up, et enfin comme ça, là, c'est la ceinture à mat parce que je ne retrouve pas ma petite ceinture noire. Vous savez, assez fine comme ça. Mais j'en ai commandé dans mon haul Shein en partenariat. Donc, on verra bien si elles me vont. Mais sinon, je la trouve assez sympa. Mais enfin, je ne sais pas. Sinon, vous avez vu, il y a deux articles que je suis sûre de renvoyer. C'est le pancho et le pull. Je ne suis pas du tout satisfaite de ça. Maintenant, tout le reste, je trouve que ce sont des basiques assez sympas. Les petits hauts dans le pantalon ou hors pantalon. Peut-être hors pantalon, j'aime beaucoup. Donc c'est plutôt cool. Les chaussures elles sont magnifiques. Par contre comme je vous ai dit dans les commentaires audio, prenez une taille au-dessus de la vôtre, parce que moi je fais du 40-40,5 et j'ai pris du 41 et aurait pas fallu moins. En tout cas je suis trop contente de cette sélection que j'ai pu faire, en tout cas que j'ai acheté celle-ci avec ma carte bleue. Tous les liens de tous les articles sont en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire si vous allez craquer également. J'aimerais bien votre avis. Dites-moi si vous craquez sur les vêtements que je vous ai montrés ou sur d'autres vêtements. J'ai hâte de connaître vos commandes. Le code promo s'inscrit juste ici. Il est valable encore assez longtemps. Je vous dis, tout est en barre d'infos parce que comme ça, je m'en rappelle plus. En tout cas, on se retrouve très très vite. La prochaine vidéo, ce sera un vlog de semaine sur deux semaines. Et après, on entame les vlogmas avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de concours. Et je crois qu'il y aura un concours Shein, donc n'hésitez pas à continuer à me suivre lors de tous ces vlogmas. En tout cas, moi, je vous envoie plein plein de bisous. Je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous et des autres et à très bientôt. Bisous!